Ouvert en mai dernier dans le cadre du plan cancer de Poissy, la maison Les Trois Arches accueillait aujourd'hui du public pour sensibiliser et informer contre le cancer. C'est une maison qui est dédiée aux patients atteints de cancer et aussi aux proches aidants. C'est une maison qui propose des soins de support. Alors, ce n'est pas une maison médicale, c'est une maison, on va dire, qui permet d'avoir des ateliers, notamment de socio-esthétique, ateliers psychologiques, ateliers de sophrologie, ateliers alimentation aussi, réinsertion professionnelle aussi. Au programme, stand d'information avec des psychologues, des travailleurs sociaux, des associations ou encore des diététiciens. Nous, aux 3 heures, c'est vrai qu'on parle plutôt de soutien psychologique. C'est vraiment, s'il y a une étape de leur parcours, le patient, la patiente ressent le besoin vraiment d'échanger, d'avoir ces temps d'échange pour eux, où ils se remettent au centre aussi, et pas juste sur un versant de soins ou médical. Et puis l'intérêt aussi de ce dispositif, ce qu'on entend beaucoup par rapport aux personnes qui fréquentent les 3 arches, c'est l'envie aussi de rencontrer d'autres personnes. C'est un lieu centralisé où ils peuvent venir, où ils peuvent se sentir entendus, compris, et où ils sont pas forcément, ils sont pas forcément dans l'hospitalier. L'occasion de rappeler aussi en pleine campagne Octobre Rose l'importance du dépistage du cancer du sein. Octobre Rose, c'est un mois de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein. L'idée, c'est de rappeler que c'est important de se faire dépister le plus tôt possible pour essayer de traiter le mieux possible la maladie. On a beaucoup d'activités. On a eu des marches, on a donc des flash mobs, on a des conférences. Enfin, il y a tout un tas d'activités qui sont là pour rappeler ce mois qui est un mois indispensable au dépistage du cancer du sein. D'autres actions sont prévues au cours du mois à Poissy, dont des stands d'information et des espaces d'échange les 12, 21 et 29 octobre prochain.